De subir et puis de placer. Attention. Perisic. Il a raté son contrôle, Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté son contrôle, Perisic. Lui qui a été excellent. Contre. Par Varane, ils sont montés d'un cran, les bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc pour les deux, les bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure là, le petit point faible. Côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic est arrêté. Matuidi, Mbappé! Mbappé! Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France, encore une fois, sur un coup de pied arrêté, qui a touché ce ballon? Petit point faible, côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic est arrêté. Matuidi, Mbappé! Capable de subir et puis de placer. Attention. Perisic. Il a raté son contrôle, Perisic. Attention, c'était un bon ballon ça. Et il a raté son contrôle, Perisic. Lui qui a été excellent. Contre. Par Varane, ils sont montés d'un cran, les bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc. Il y a un bon coup franc pour les deux, les bleus. Voilà, j'en parlais de tout à l'heure là, le petit point faible. Côté croate en défense, le manque de vitesse de Strinic est arrêté. Matuidi, Mbappé! Mbappé! Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France, encore une fois, sur un coup de pied arrêté, qui a touché ce ballon? Le doute. Oula, il y a un petit problème sur le terrain là, il y a un envahissement. Rakitic. Et toujours, il va chercher le pousser. Il a touché Hugo. Ce sera la place de camp. Allez, débrouille-toi. C'est un bon ballon ça. Allez, débrouille-toi. Et tu peux le faire très bien face à Strinic. Kylian Mbappé. Sans oui. Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Paul Pogba. Avec l'accélération de Mbappé. La gestion intelligente de Griezmann. Et la frappe du pied gauche de la pioche. 3. Oh là là, la réussite maximum là. Maximale, pour les maximale. Il y a une petite étoile. Qui jouent moins que leurs adversaires. Qui produisent moins. Mais qui à l'arrivée mettent en danger. Giroud. Oh, et Griezmann qui est privé là-bas d'une reprise de volée par le retour de Brozovic. Ouais, c'est bien ça. C'est bon, bien ça. Voilà, Mbappé face à Vida. Oh, Kylian Mbappé, ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus. Est-ce que c'était